السلام عليكم ورحمة الله خوتي، والسلام على كاع لي سيبورتير تاع ليكيب ناسيونال في جميع أنحاء العالم. Déjà, Khaouti, avant de commencer, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages en me demandant des vidéos. Donc, barakallahu fikoum yatikoum saha. C'est vrai que à certains moments, j'ai habitué mes abonnés à faire des vidéos presque tous les jours. Mais il faut juste se dire que, à l'époque où je faisais des vidéos, il y avait quand même un événement, qui était énorme, qui était la Coupe du Monde. Et ce qui se passe, c'est qu'il y avait un enchaînement au niveau des infos, ça n'arrêtait pas. Et donc je me devais de faire des vidéos très rapidement pour ne pas être dépassé par les événements. Actuellement, voilà, actuellement, ce n'est plus l'ambiance à la Coupe du Monde, ce déchaînement qu'il y a autour de l'équipe nationale qu'il y avait avant. Donc c'est un petit peu plus calme. C'est beaucoup plus calme même. Donc ce qui se passe, c'est que je prends un petit peu plus mon temps pour faire certaines vidéos parce que je sais très bien que je vais pas être dépassé par les événements. Voilà, Khaouti. Donc on m'a demandé de faire des vidéos sur la victoire de la JSK et sur la liste des 22 qui est tombée pour le match contre la Tanzanie. Donc déjà pour la victoire de la JSK, comme je l'ai toujours dit dans plusieurs de mes vidéos, moi j'ai deux clubs de cœur. C'est la JSK ou le Harrach. C'est vraiment mes deux clubs à moi. Et c'est vrai que j'ai vu le match à la JSK et c'est un match et c'est une victoire qui m'a fait énormément plaisir. Comme tout supporter de la JSK, comme tout supporter algérien qui supporte un club algérien qui joue une compétition africaine. Et ça m'a fait vraiment plaisir qu'on gagne surtout contre l'Ahly. Bien sûr, ce match-là, il a été entaché comme toujours et à chaque fois qu'on joue avec les Égyptiens, avec des actes d'anti-jeu égyptiens qui sont maintenant connus, reconnus, bien sûr l'impunité qu'ils ont. Avec la CAF dans leur poche, donc ils peuvent se permettre tout et n'importe quoi, surtout quand il s'agit de compétitions africaines. Sur l'équipe de la JSK, c'est une équipe qui était sur le terrain solide et qui m'a beaucoup impressionné par sa discipline tactique. Et là, il faut reconnaître le travail de l'entraîneur. Et aussi la discipline des joueurs, la discipline tactique des joueurs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Voilà, parce que j'ai fait dans ma tête... Quand j'ai vu le match de la JSK, quand j'ai vu cette rigueur tactique, cette discipline tactique, et quand je l'ai comparé avec l'équipe nationale, il n'y avait pas photo. Il n'y avait pas du tout photo. C'est là où on voit la patte de l'entraîneur. C'est là où on voit la patte de l'entraîneur sur le jeu d'une équipe. Et l'entraîneur de la JSK, c'est quelqu'un qui a fait un travail considérable. Donc on a vu des joueurs de la JSK qui savaient permuter, qui savait créer des décalages, qui savait se placer, qui savait jouer au football. Pour répondre à Saïdan, à sa fameuse conférence de presse il y a à peu près 3 ou 4 mois, où il avait incendié les joueurs locaux, où il les avait descendus en flammes, en disant qu'il savait ni permuter, ni créer des décalages, ni se placer, qu'il ne savait pas jouer au football, et que lui-même, grand chier de foot du football, n'avait pas le temps de leur apprendre à jouer au football. Ce qui est pour moi, pour un joueur, qui joue dans des grands clubs comme la JSK, l'Entente, Mouloudia, CRB, l'USMA, le Mohim, les grands clubs, pour moi c'est l'insulte suprême. Ça veut dire, toi tu sais pas faire ton métier, tu ne sais pas jouer au football. Alors que nous on a toujours dit qu'il y a certains éléments dans ces grands clubs là, certains éléments locaux, qui peuvent apporter un plus à l'équipe nationale. On ne demande pas qu'ils soient des titulaires indiscutables, mais on sait très bien qu'ils ont leur place par rapport à d'autres. Voilà, et que leur talent est méprisé par Saïdan. Et la JSK a offert la plus belle des réponses, parce qu'on sait très bien que l'équipe d'Al Ahly, c'est une équipe qui forme l'ossature de l'équipe d'Égypte qui a été championne d'Afrique. Elle a été formidable, la réponse de la JSK. Ça a été sur le terrain par une victoire haut la main, il n'y avait pas de discussion par rapport à ça. Une équipe solide qui a très bien dominé son match. Donc voilà, Yachir Saïdan. Voilà une équipe qui a su te donner une réponse sur le terrain. Maintenant, Khaouti, sur le club Al Ahly, je ne sais pas comment définir ce genre de comportement et ce genre de mentalité. Pour moi, subhanallah, c'est des énergumènes. Wallah al-Adim, pour moi, c'est des énergumènes. C'est pas des joueurs de football. C'est des gens qui viennent pour chercher la confrontation. À chaque fois qu'ils sentent qu'ils sont en train de perdre le match, ils commencent à verser dans des actes d'anti-jeu, à faire les acteurs et tout ça. Subhanallah al-Adim. Ils ont été accueillis par la plus belle des manières, par les dirigeants à la JSK,
et aussi par l'État algérien, avec toutes les forces de l'ordre qui ont été déployées sur les terrains pour que ces messieurs se sentent en sécurité. Et puis on a vu leur réponse à la fin du match, en promettant à la JSK un enfer au Caire. Et on sait très bien la définition de l'enfer qu'ils ont, Roma. Subhanallah, on peut pas se la jouer avec la loyale avec eux, c'est impossible. On peut pas se la jouer à la loyale. Il y a eu un but qui a été refusé, qui est pour moi un but qui a été refusé de manière juste. Voilà, pour moi, parce que c'est un enjeu qui est évident. Qu'il y ait des buts qui sont refusés pour des positions de hors-jeu, ça existe dans tous les terrains du monde. Mais une réaction pareille, ça n'existe pas dans tous les terrains du monde. Ça existe dans des pays ou là dans des clubs qui savent qu'ils ont une impunité totale. Quand ils ont une confédération dans leur poche, comme je l'ai dit au début de ma vidéo. Et je sais très bien qu'aucun de ces joueurs-là qui ont agressé un juge de touche et qui ont agressé un personnel de sécurité algérien, personne, aucun de ces joueurs-là ne sera poursuivi par la Confédération africaine de football. Aucun ne passera en conseil de discipline. Et on le sait très bien. Subhanallah, l'acte qu'on a vu à la fin, où le match il a été arrêté pendant plusieurs minutes, où on avait des joueurs qui voulaient en découdre avec le personnel de sécurité, avec les arbitres, mais c'est incroyable! Mais c'est incroyable! Quand est-ce que les Égyptiens vont s'arrêter à faire ce genre de choses? Quand est-ce qu'ils vont s'arrêter? On n'a plus envie de jouer avec eux. Khalas! On n'a plus envie de jouer avec eux. Si c'est à chaque fois pareil, si c'est à chaque fois ça vire à l'émeute, et ça vire aux actes de violence, et à la comédie Made in Egypt, ça sert à rien. Ce n'est pas un comportement d'homme. Ce n'est pas un comportement de professionnel. Subhanallah al-Adhim. Et à chaque fin de match, كيما شفت لا فيديو تاع خويا محمد كولون اللي دارها سور سا باج ا شاك فان ماتش اون دي سيبورتير ام الدنيا والعروبه راهي ليكم ام الدنيا وراهي ليكم العروبه سبحان الله العظيم نو مي سي انكرويابل شغل on a l'impression de jouer avec des personnes qui sont tout permis, qui sont là que pour gagner. Ici, ils gagnent pas, c'est la fin du monde, ça n'arrête pas, et puis, ou à la bonne, dès qu'ils sortent des scénarios, dès que tu vois, dès qu'ils sortent des scénarios, ils disent qu'ils ont fait ça, ou ça, et ça, on sait, ils sont connus pour ça. Subhanallah al-Adhim. Le mohim, je vais vous dire quelque chose, ça c'est une spécialité de Tahom. Le mohim, la JSK a repris Tahom, sur le terrain, a repris l'Ismaïliya, sur le terrain de Tahom, a repris l'Ahli, sur le terrain de Tahom, Inch'Allah, bi'idnillah, qui a dit l'Ismaïliya. بإذن الله نزيدو نربحو نزيدو لا جي اس كا تربحهم وبإذن الله كي يروحوا الأهلي نديروا ان بون ريزولتا نربحو ولا نديروا ماتش نول ولا ان شاء الله نكونوا ديجا كاليفي parce que c'est plus un pays avec qui on peut jouer au football, ce n'est plus un pays avec qui on peut se la jouer à la loyale. C'est aussi simple que ça. ما حبتش تهبط لا كاليفيكاسيون لا كوب دي موند. المهم خاوتي, pour terminer sur le sujet de la JSK, alhamdoulillah, la JSK a gagné son match. Ou alhamdoulillah, il n'y a pas eu de réaction violente des supporters de la JSK ou des supporters algériens de manière générale. Alhamdoulillah. Alhamdoulillah, les choses n'ont pas dégénéré. Et on leur a bien démontré que soit le club de la JSK ou l'Algérie, quand on reçoit bien Hnaya. Comme on les a reçus le premier match fut Blida. Alhamdoulillah. Maintenant, Khaouti, pour l'équipe nationale et pour les 22 qui ont été sélectionnés pour jouer le match contre la Tanzanie, le groupe n'a pas été chamboulé, à part deux convocations. La première, c'est Amri Chadli, en retour en équipe nationale. Pour moi, c'est une convocation qui est très positive, parce que c'est un joueur qui fait de belles choses avec son club à Kaiserslautern. C'est un joueur qui a énormément de qualité et c'est un vrai professionnel. Et j'espère que Amri Chadli va apporter ce plus à l'équipe nationale au niveau de son secteur, le secteur défaillant de l'équipe nationale, qui est le secteur offensif. Maintenant, pour moi, je tiens à le dire. Amri Chadli devait être convoqué pour le match contre le Gabon. Il y avait strictement rien, mais vraiment rien, qui interdisait le fait qu'il soit convoqué et qu'il joue titulaire.
pour qu'on voit Amri Chedli, pour qu'il rentre un petit peu dans le bain de l'équipe nationale. Moi, je comprendrai jamais cette politique d'Arabie Saoudite de jamais convoquer des joueurs nouveaux pour les matchs amicaux et de convoquer des joueurs neufs et de faire des petits chamboulements quand on arrive au match officiel. Al-Mohim, Amri Chedli, c'est quelque chose de bon. J'aurais préféré que ça soit fait avant, surtout pour le match contre le Gabon. Malais. Maintenant, Shaqiri, c'est un arrière-droit. Et vous savez très bien que ça fait longtemps que je milite pour qu'il y ait un véritable arrière-droit dans l'équipe nationale. Voilà, pour qu'on arrête avec ce système de 3 défenseurs et qu'on passe vers un système beaucoup plus équilibré qui est le système de 4 défenseurs. Mais pour cela, il manquait un arrière-droit. Maintenant, la situation en club de Shaqiri, c'est une situation qui est assez particulière. Apparemment, il joue avec les réserves de Charleroi. Est-ce qu'il sera apte pour jouer un match officiel avec l'équipe nationale? Ça, je ne le sais pas. Je ne vais pas parler des qualités de Shaqiri parce que je ne vais pas vous mentir, je n'ai jamais vu un seul match de Shaqiri de ma vie. Je ne vais pas vous mentir. Maintenant, au niveau du championnat local, il y a certains arrière-droits qui auraient pu jouer avec l'équipe nationale, qui auraient pu être convoqués, Kimam Wissi, Kimam Ftah et d'autres. Voilà. Donc prendre un joueur qui joue en équipe réserve à Charleroi, ça explique d'une certaine manière la mentalité de Saadan. Je ne vais pas vous mentir. Voilà. Je vais pas vous mentir. J'ai pas trop m'étalé sur le sujet. Je pense que vous m'avez compris. Maintenant, c'est pas Shaqiri. J'en veux pas à Shaqiri. Hein. Shaqiri, c'est un joueur algérien qui a été convoqué par son équipe nationale et il a répondu à la convocation. Point barre. Voilà. Et j'espère qu'il va apporter un plus à l'équipe nationale. Voilà. Mais au niveau des critères de sélection, par rapport à Saadan, le fait de prendre quelqu'un qui joue en réserve et de ne pas prendre quelqu'un qui joue en titulaire dans un grand club algérien, ça prouve la mentalité de Saadem. Et je pense que je me suis bien fait comprendre. Voilà. Maintenant, je vais pas trop m'étaler sur l'équipe nationale, je vais attendre le match et tout ça. On va pas jouer contre une foudre de guerre, on va jouer contre la Tanzanie. Qu'on se mette bien d'accord. On va pas jouer contre une foudre de guerre. Donc j'espère, Inch'Allah, que le résultat sera là. Qu'on va pas, Inch'Allah, perdre ou la faire un match nul. Moi, j'espère et moi, j'attends une victoire de l'équipe nationale. Je ne vais pas vous mentir. On va pas jouer contre une grande équipe. La Tanzanie n'a pas du tout d'histoire footballistique. Très rapidement, Khaouti, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Quand est-ce que Saadan, tu vas commencer à faire entrer des jeunes joueurs dans cette équipe-là? Premièrement, pour préparer la génération future. Et deuxièmement, pour faire bouger les princes à Doma et à l'équipe nationale. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs de l'équipe nationale qui sont là en train de se reposer sur leur laurier. Parce qu'ils savent très bien qu'avec Saadan, ils joueront toujours titulaire. Donc on voit une baisse de motivation de certains joueurs de l'équipe nationale. Et ça, c'est quelque chose qui est inacceptable. Donc quand est-ce que tu vas commencer à faire entrer de jeunes joueurs dans cette équipe-là? Quitte à les prendre du championnat local. Il faut que ces joueurs-là aussi commencent à flirter avec le niveau international. Ou là, avec toi, ils seront toujours cantonnés à ne pas jouer en équipe nationale et jouer qu'en la prime. Il y en a marre. C'est bon. Maintenant, il faut faire un petit peu bouger cette équipe-là. C'est une génération qui s'est qualifiée à la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, pas de problème. Maintenant, il faut passer à autre chose. C'est pour ça que moi, je parlais d'une certaine vision de football que n'a pas Saadan, malheureusement. J'espère que je me trompe et j'espère qu'il va me contredire. Voilà, Khaouti. Inch'Allah, l'équipe nationale va gagner. Moi, j'attends qu'une victoire de l'équipe nationale. C'est bon. Khalas, aïe, n'aime les défaites. Il y en a marre. Maintenant, c'est la victoire. Il n'y a pas à discuter. On va jouer chez nous contre la Tanzanie. Donc voilà. Voilà. Même si je suis pas en train de, je veux dire, voilà, je dis ça. C'est pas par rapport aux Tanzaniens. Oulaha, c'est pas par rapport à ça. Je suis pas méprisant par rapport aux Tanzaniens. Parce que j'en ai marre des excuses de Saadan. Voilà. À chaque fois qu'on joue avec une équipe, c'est la meilleure équipe du monde. Voilà. L'Abnam al-Emarat, on dirait qu'on allait jouer contre l'Argentine et le Brésil. C'est par rapport à ça. Donc c'est pas méprisant par rapport aux Tanzaniens. S'il y a des Tanzaniens qui vont écouter cette vidéo, et aussi pour les Algériens, pour leur dire que je suis pas, voilà. Voilà, c'est une réalité, c'est pas une foudre de guerre. Voilà. Barakallahu fikum khawti. Wa yatikum sahha. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Wa sahha sahurkum.